Salut à toutes et à tous, c'est Jean-Sam Moketo, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Let's Go Evoli. On est cette fois-ci, eh bien, à Parmani. Voilà, donc on va peut-être essayer de s'obtenir un nouveau badge quand même. Les vrais se rappellent de Pineapple 13, c'est vrai ça. Joe Kun qui dit rebonsoir, effectivement, parce que je suis dans live, bien évidemment. Oh, la pension, c'est trop mignon. C'est trop mignon, la pension. Et donc oui, c'est là, en fait, que tu peux faire tes transferts par rapport à Pokémon Go. Alors là, je crois que c'est une angoisse. Oh, ça s'amuse avec les Pokémon. Oh, il est trop mignon. La petite Lady qui arrive pas à suivre le rythme, non. Oula. Alors là, le taureau, il aurait été stressé ou je sais pas quoi, il aurait planté notre lady de façon bien malsaine. Ouais, il y a un Kabuto. Un petit Kabuto. Kabuto, il fait quand même très peur, hein, parce que les yeux, c'est les tout petits points qu'il y a au-dessus, sur sa carapace, logiquement. Mais du coup, tu sais pas trop ce que c'est, les deux énormes lumières sous sa carapace. Enfin, je me souviens plus ce que c'est. Ça fait très peur. Donc oui, voilà, en gros, c'est ici qu'on va, si on veut transférer nos Pokémon de Pokémon Go. Voilà, on va pas trop le faire, parce que bon, ça sert à rien, enfin, on va pas le faire, on va pas faire de transfert, et ça va bouffer du temps pour rien. Mais en gros, c'est effectivement ici, à Parmani, dans ce petit parc, qu'on fait les transferts. Ah, voilà le shop. Je vais faire un petit peu d'achat. Alors, hyper potion. On va vous en prendre pas mal. On va vous en prendre 25. Hop. On va vous prendre du rappel. On va vous prendre 10. Et on va vous prendre des total soins. Merde. Total soins. Total chouin. On va vous prendre du total chouin. Ah si, voilà. J'ai cru qu'ils n'avaient pas de total chouin. Mais en fait, c'est bon. On va vous en prendre 13. 13 total chouin. Comme ça, on a la max, quoi. Très bien. Alors, je me souviens plus ce que c'est la limite, enfin, la barrière pour arriver à... Pour entrer dans l'arène. J'espère que c'est pas capturé. Oh, low class. Oh, qu'est-ce que j'adore ce Pokémon, putain. Oh là là là, je me souviendrai toujours, que la première fois que j'ai vu ce Pokémon, enfin, ou en tout cas, j'avais souvenir et tout de ce Pokémon, c'était chez un ami d'enfance, qui s'appelle, un pote d'enfance, on se parle plus du tout, donc voilà, mais qui s'appelait Max Michel, et il avait une carte low class que je rêvais d'avoir, parce que je trouvais le design, enfin, la carte était absolument magnifique, c'était une des premières cartes low class. Et j'adore ce Pokémon, quoi. Il est tellement beau, il est tellement apaisant. Enfin, j'adore son design. Les portes de cette arène ne s'ouvriront toutefois qu'aux plus méritants. Approche donc. Laisse-moi voir si tu as capturé au moins... Oh putain. Oh putain. Oh putain. J'en étais sûr. J'en étais tellement sûr. Parce qu'en plus, là pour le coup... Oh putain. Oh, l'épisode filler de merde. Oh putain. Et en plus on a la moitié, quoi. C'est même pas, il nous en faut 10 ou quoi. Non, il nous en faut encore 25, hein, à capturer, hein. Oh, c'est douloureux. Bah alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'autre route, parce qu'il y avait encore des dresseurs qu'on n'avait pas affrontés. Oh là 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 là, fait chier, quoi. Oh, fait chier. Oh là là, la bonne hype en mode ouais, on va se faire une arène et tout, bah nique ta mère. Oh là 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 là. Bon. Bah écoutez, ça fait. Oui, je peux. C'est vrai que je peux faire une ellipse Zodiac, mais. C'est vrai. Mais imagine, on raconte des choses intéressantes pendant cette ellipse. C'est chiant pour YouTube, tu comprends? Bon, on va au moins se faire les dresseurs. On va au moins se faire les dresseurs et après on va voir ce qu'on peut faire. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Ouais. Lance-flamme.
Oh putain. Calme-toi, rapace de pique. Je suis un peu en rogne, donc tu vas te calmer. Hop, Fenard vive attaque. La base. Alors, Dodrio. C'est vrai qu'en mode, ouais, venez sur Twitch, ça fait l'épisode complet, c'est vrai quelque part. Non mais au moins je vais battre les dresseurs. Parce que faut pas déconner. On est quand même réglo, un minimum. Putain. Bah ouais, il est déçu autant que moi. Il est autant déçu que moi que quand j'ai vu l'annonce. Oh putain, mais il y a pas mal de Pokémon en plus. Cui, 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 je fais le Pokémon oiseau, c'est ressemblant, tu trouves? Oui, non, mais je vais faire une ellipse, hein. Je vais faire une ellipse, mais d'abord je balayerai ça. Bah ouais, mais comme je m'intéresse pas du tout au Pokédex et tout, bah forcément je capturais aucun Pokémon et du coup. Et bah du coup le jeu est pas content. Le jeu est pas content du tout. Il en faut 50. J'espère qu'ils vont pas me refaire le coup pour les autres arènes, je me souviens plus du tout. Hein. Parce que comme effectivement je capturais plein de Pokémon lors de ma première partie, bah à chaque fois j'avais l'autorisation d'entrer. Et là, on s'est fait sortir par le videur. Je suis cuit. Oh putain, c'était drôle. Ça, par contre, c'est drôle. Bonjour. Ah putain. Jacob. Je me souviens plus qu'un artichaut il est vol ou il est normal. On va mettre Suki quand même. Hey, je change de Fenard, youpi. Il est normal, ok. Je fais quand même bizarre. Parce que j'aime bien jouer à Overwatch. Voilà. Oh bah c'est super efficace quand même hein, mon pote. Oui. Oui, niveau 38. Ah d'accord, Hiroji qui nous affirme que effectivement les autres arènes ne nécessitent pas Oh, et puis tu sais quoi, YouTube, on va faire une ellipse maintenant, parce que voilà. Oh là là. En plus, j'ai le hockey, donc c'est le meilleur moment pour faire une ellipse. À tout. Ben, re à toi, YouTube. Voilà, petite ellipse. Incroyable effet du montage. 50 espèces différentes. Oui, j'en ai capturé, connard. Voilà, ça nous a pris un petit temps, mais ça y est. Oh, c'était Koga, incroyable. Ouah, alors surprise par mon art du camouflage, et tu n'as encore rien vu, prépare-toi à admirer mes arcanes ninja en mode combat Pokémon disparition. Très bien. Non mais en soi 50 Pokémon c'était pas dur, c'était chiant parce qu'effectivement comme un con j'avais oublié qu'à un moment donné il y avait un champion qui nous demandait ça,
Et du coup, quand tu captures absolument aucun Pokémon comme je le faisais, bah effectivement t'es baisé. Mais en soi, voilà, ça nous a pris quoi? Ça nous a pris une petite heure, je crois, une grosse heure de une grosse heure. Ouais, ça nous a pris, je crois, une heure à peu près pour capturer les 25. Mais ouais, ça va vite, hein. De toute façon, la 1G, c'est pas compliqué, surtout à Kanto. De toute façon, atteindre les 50 Pokémon à ce stade du jeu, c'est pas compliqué du tout, quoi. Par contre, ouais, Psycho, j'ai pas... Enfin, Psycho, c'est la faiblesse de cet endroit. J'ai pas grand monde qui a... Enfin, je pourrais apprendre une attaque Psy à Evoli. Parce que hormis Mew... Bon, après, tu me diras, il n'y a pas que des Pokémon poison. Ok, on l'a battu. Ouais, incroyable du cul. Maintenant, on continue, voilà. Alors, effectivement... Oh, il y a un public, hein, ça teasait déjà la 8G. Hein. Hop là, il faut regarder un petit peu les murs invisibles. Pour un peu comprendre. Je sais pas si on va atteindre Koga dans cet épisode. Parce que bon, les combats, on sait jamais, des fois ça peut être chiant, il y en a quelques-uns à faire, on se les fait tous. Rose Zodiac sur le chat. Mais on va essayer d'atteindre Koga. Oh non, Abri. Non, arrêtez. Allez, Psycho. Book. La défense spéciale baisse. Oh, pouvoir lunaire. Ah, il va se soigner, non? Oui, c'est ça. Non, même pas. Très bien, j'ai confondu. Je confonds avec l'autre attaque de Noctalie, là. Je me souviens plus comment il s'appelle. Allez. Au revoir, Grotelmer. Et oui, rebonsoir. Ouais, non, mais voilà, comme je disais, c'était pas trop compliqué. On a fait quoi? On a fait... Bah voilà, j'avais pas les entières familles de Chenipan et d'Aspico. J'ai capturé un Rookups. Près de Celadopol, bah c'était la fête parce qu'il y avait Doduo, Dodrio, Ponyta, Galopa. On a capturé 3 Evoli pour ensuite les faire évoluer en Aqualy, Pierroli, Voltali avec des pierres. On a fait évoluer un Melodelph. On a fait après la cave Topicker, Trio Picker, Fantominus Spectrum à l'avant-ville, Nosferatu, quoique non, il nous a échappé. Il y avait Osley aussi à l'avant-ville, et puis après, près de Azuria, il y avait Hypnomade, enfin, carrément sûrement, il y avait aussi Hypnomade, enfin, Soporifique. Et puis près d'Azuria, voilà, il y avait Nidoran, Nidorina, Nidorino, Rhinocorp. Ça allait vite, hein. Zodiac qui nous dit, n'empêche, à chaque fois que je suis sur le cul, quand je me rappelle que Wano est teasé depuis Thriller Bark avec le possesseur, je suis... Effectivement, non mais le monde de One Piece est complètement ouf, hein. J'ai hâte de voir, alors là on divague un petit peu, mais j'ai hâte de voir la réaction de Gigi, alors sur plein de choses, sur Thriller Bark, notamment avec la baleine, oh mais la baleine, ça... oh, choqué à vie, c'est une des plus merveilleuses révélations, je trouve. Mais oui, j'ai hâte de le voir guaquer quand il verra qu'on parle de Wano déjà là-bas, quoi. On est bien d'accord que le terme Wano a été évoqué là-bas, hein. Il me semble que c'est quand Zoro affronte Il me semble que c'est quand Zoro affronte effectivement le zombie de Brook qui a vraiment le terme Wano qui est utilisé, je crois. Enfin, pays de Wano ou Wano, je sais plus ce que c'était la première trad à l'époque. Mais ouais, Thriller Bark, mais je sais plus si le terme a été évoqué. Faudrait que je regarde dans mon tome. Je peux le faire d'ailleurs, là. Mais, enfin, Thriller Bark a été teasé Wano Kuni et Whole Cake, hein, quelque part. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Whole Cake Island aussi avait été teasé à Thriller Bark. Bah, Whole Cake, oui, parce que...
parce que Laura, la fille de Big Mom. Alors c'est Ogback qui dit ça, qui parle de... Ah je sais plus, il me semblait que c'était pendant le combat contre Zoro. Je me souvenais pas de ça. Je me souvenais pas que c'était Ogback qui disait ça. Machination, gardez les anciennes. Attends, eh oh, on va pas se... Je me souviens plus du tout à quel chapitre c'est, etc. Ah mais oui, c'est quand il doit parler du zombie et tout, en mode, enfin ouais, on a récupéré ce samouraï dans une tombe de Wano, un truc comme ça, je crois que c'est un truc comme ça qu'il dit. Bonjour. Je me souviens plus à quel endroit c'est exactement. Ah, c'est au tome 47, d'accord. Ah oui, c'est quand... ça doit être quand le zombie il attaque Nami, etc. Non. Ah, le pays de Wa, d'accord. Ok. Hop. Ah oui, donc logiquement, Gigi, il va voir ça bah, du coup lundi, parce qu'il est à la fin du tome 46. Du coup, logiquement, il voit ça lundi. Ah oui, un homme... Ah non, il y a écrit Wano Kuni. Hein. Toi, tu dois avoir la nouvelle traduction, alors. Parce que moi, il dit vraiment Wano Kuni. Un homme tout droit venu de Wano Kuni, dans le Nouveau Monde. Incroyable, quoi. Je trouve ça fou, quoi, ce teasing de fou, quoi, genre des chapitres et des chapitres avant, quoi. Incroyable. C'est incroyable, quoi, genre c'est incroyable. Gigi, il va entendre parler de Wano Kuni pour la première fois là, dans les épisodes 300. Et Wano Kuni, on voit ça que maintenant, en ce moment, dans les tomes 90, quoi. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais me faire, attendez, bougez pas. C'est ça aussi que je voulais me faire. Alors attendez, bougez pas, c'est énorme. Ah oui, ok, non j'ai rien dit. Je voulais effectivement vérifier parce que j'avais eu un gros doute sur le rire de... Sur le rire de Barbe Noire, j'étais convaincu qu'il disait Zéhaha depuis le début dans les mangas français. Mais en fait, non, pas du tout. Effectivement, il dit moi haha dans la première trad, et peut-être dans la nouvelle aussi, je sais pas. Mais à mon avis, ils ont pas changé. C'est ouf ça. C'est trop marrant ça. Quand t'es tellement habitué que ce soit dans l'anime, ou dans les scans, à voir les vrais rires, à voir des vrais termes, que des fois, quand tu lis en VF, tu lis le terme japonais. Tu fais pas attention quoi. C'est marrant ça. Ça me l'avait fait pourquoi déjà? Tome 69 et le courrier. Ah oui, mais bon, là on est quand même, on était un peu plus proche de Wano Kuni déjà à ce tome là quoi, parce que c'est presque Dressrosa. Bien. Enfin oui, c'est comme Dents de Chien, évidemment. Dents de Chien, je lis pas Dents de Chien, enfin je lis Dents de Chien, mais dans ma tête c'est Katakuri, ça sonne Katakuri quoi. Clairement. Salut toi.
Air bizarre. Et ouais, j'ai hâte de... Enfin, j'espère que Gigi va tilter, qu'il va retenir et qu'il va être guaqué en mode « Ah bon ? On en parle déjà de là, de Wano Kuni ?» Ah, c'est tellement le pied, quoi. C'est tellement stylé, quoi. En vrai. Ça se trouve, il va même pas le remarquer, mais je pense que oui, quand même, s'il est un minimum attentif à ce qui est écrit. Surtout que c'est pendant la révélation de... Il se rend compte que c'est pas Brook qui les attaque, mais... Donc normalement, il sera attentif. Bon, au revoir, madame. Hein ? Il est temps de perdre, maintenant. Laser glass, laser beam, ice beam, Kaizoku ni ore wa naru. Non mais le jour où le film viendra, c'est bon de faire. C'est comme Gigi. Bah non mais des fois il fait pas attentif sur certains trucs. Enfin ou des fois il oublie des trucs. Enfin bref. C'est comme putain il a mis sur Discord. Alors voilà, faut aller sur Discord. Bon, ceux qui regardent en VOD, vous verrez pas, mais pendant l'épisode là, Gigi avait mis sur Discord un lien très badant d'une couverture du Weekly Shonen Jump de 2014. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Et donc dessus, tu vois, alors en première position Luffy, après tu vois Naruto, tu vois Toriko, tu vois Assassination Classroom, tu vois Food Wars, tu vois Gintama, enfin tu vois Belzebub, tu vois plein de héros plein de personnages du Shonen Jump et tu regardes et après tu te rends compte par contre que en juin 2019 bah il y a quasiment tout le monde tous les personnages ont leur manga terminé sauf Luffy et puis le héros de Haikyuu Hinata. Mais c'est quand même ultra triste quoi, tu vois vraiment, t'as tout le monde qui est noirci en fait, en mode bah il reste plus que Luffy et Hinata. Mais Hinata c'est sûrement parce que ça devait commencer en 2014, enfin ça devait pas loin d'avoir commencé IQ en 2014 je pense. Mais c'est triste. Le jour où One Piece va se terminer, oh là là, le jour où il y aura plus Luffy sur les couvertures du Jump et tout, ça va faire tellement drôle à l'industrie du manga. Même si j'ai peur, hein. vu à quel point One Piece a rapporté en termes de sous-sous, j'ai quand même très peur qu'il y ait une ribambelle de produits dérivés qui ressortent et tout, qui ressurgissent, machin. Enfin, y a qu'à... Après, c'est pas le même engouement, c'est pas le même univers, mais il y a qu'à voir Dragon Ball. Alors certes, ça a repris avec Super depuis longtemps, mais même avant le début de Super, depuis que je connais les mangas, Dragon Ball, c'était fini, quoi. Genre, ça s'est terminé quasiment à ma naissance, quoi, Dragon Ball. Et pourtant, mais ça vivait tellement encore beaucoup, quoi, genre... New niveau 45. Voilà, on a gagné. Bon, je pense qu'on peut aller s'enchaîner le champion, hein, Koga, hein, parce qu'on n'a pas tant perdu, je trouve. De Pokémon. Enfin, les Pokémon ne sont pas si épuisés que ça. Tu oses me défier ? Moi, le grand, le beau, terrible, le Koga, le terrible Koga ? Par le sang de mes ancêtres, je vais gagner. Ah bah calme-toi quand même, on est en train. Bah après à voir, hein, parce que Oda a quand même certifié que après la fin de One Piece, il voudra vraiment plus s'y replonger. Mais enfin en tout cas c'est ce qu'il a dit, mais après oui à voir dans les faits comment ça va se passer vraiment. Mais ouais ça fait peur quoi. Ça fait peur. Oh putain non ! Il est chiant avec ça ! Ils sont chiants avec ça !
Mais oui, Oda, effectivement, Oda a dit qu'il n'y aurait pas de suite, qu'il voudra, que, en tout cas, voilà, qu'il voudra... mais après, voilà, c'est compliqué, quoi. Mais non, mais le truc, c'est qu'il me semble qu'il avait dit qu'il voulait pas de suite, il ferait pas de suite à One Piece, qu'il voudrait pas de suite à One Piece et qu'il voudrait pas que d'autres gens, en fait, prennent l'œuvre, quoi. Il me semble qu'il avait dit un truc comme ça, que ça voulait vraiment dire, mais une fois que le chapitre sera de One Piece sera, le dernier sera publié, putain, tu casses tes couilles. Une fois que le dernier sera publié, il voudra plus que l'univers, enfin, il me semble qu'il avait dit ça. Mais le truc, c'est que même s'il avait dit ça, c'est compliqué de savoir à l'avance, quoi, genre, voilà. Merde. On sait jamais, tu vois, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de... allez, pourquoi pas, voilà, genre... putain, genre ça le tue pas. Genre voilà, 10 ans après la fin du chapitre de One Piece, incroyable, on vous sort un film, etc. Tu vois. Même si c'est pas canon, tu vois, il pourrait trouver les moyens de encore faire vivre le manga et ça me saoulerait, quoi, pour être honnête. Oh, il guérit du poison, Miou! Il y a encore quand même pas mal de monde après, hein. On en a tué qu'un de Pokéfion. Oh putain! Bah ouais, mais je pensais qu'elle tiendrait, mais non. Ah là 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 là. C'est pas grave, ma grande. On va te venger. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fesse. Non mais j'ai pas fait une attaque fée, hein. J'ai fait une attaque glace, hein. Déjà. Ah oui non, tu parles de avant, pardon. Avec éclat magique, oui, c'est vrai. Excuse-moi. On va essayer un dernier truc. J'ai pas envie d'utiliser de potions et tout. Genre, j'ai envie de vraiment, genre, une fois qu'un Pokémon est KO, il est KO, quoi, tu vois. Mais bon, si j'ai pas le choix. C'est sûr que si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Hein. Ouh là là, Mew. Ouh là là, coup critique en plus. Hein. Un coup critique. Il est KO. Grotalement, il va être un peu chiant. Oh putain, allez, vas-y, la technique de voilà, je suis empoisonné. J'aurais dû apprendre une attaque psy à Evoli. J'y ai pensé tout à l'heure à lui faire apprendre une attaque psy parce qu'en plus, on est dans la ville, je crois, où ils lui apprennent des attaques psy. Aïe 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 aïe. Oh mais non, putain. Ah il me guac de fou malade. Ok, très bien, tu veux la jouer comme ça, bah tu vas la jouer comme ça. On va se la jouer comme ça. On va faire hyper potion. Hop. Oui, c'est vrai que le type sol est efficace, c'est vrai. Je voulais garder un peu père chien, mais après. Bon, je vais peut-être pas faire de total chouin. On va se la jouer un peu. Oh putain.
Moquette, tu ne retiens pas la leçon, tu ne retiens pas... Tu es dissipé, hein, Moquette, hein, tu es vraiment dissipé. C'est les nerfs qu'il lâche, excusez-moi. Yes. Donc là, techniquement, je pense qu'il va refaire abri. Donc je vais en profiter... pour faire un petit total soin. Allez, on va faire un petit total chouin quand même. Petit total chouin, voilà. Voilà, tu échoues. Tu échoues, tout simplement. J'espère qu'il va pas faire potion, par contre. Bon, sinon, je vais faire père chiant, mais... je pense pas qu'il va utiliser de potion. Ok, il m'empoisonne. Très bien. Bon, logiquement, il va refaire abri. Donc, vas-y, je vais pas me faire chier. Tu t'es bien battu, Lady. Voilà. T'as échoué comme une merde. Dès qu'il se met... Par contre, là, s'il me refait abri, je suis dans la merde. Voilà, il m'a pas fait... Ah si, il peut m'empoisonner. Ah, il peut quand même m'empoisonner alors que je suis sous le sol. Quel enfer. Il va faire abri, il va faire abri. Et voilà, c'était sûr, putain. Oh là 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 là. Bon, je vais le guaquer là. Là, il va faire abri. Logiquement, là, il va faire abri. Il fait abri une fois sur deux, je pense. Même si techniquement, il devrait ne plus avoir de PP là, ça lève d'épée. Ah non, même pas. Il fait même pas abri. Voilà, ok. Il doit plus avoir de PP. Je pense qu'il a, il était au bout du slip. Nosferalto. Hop, on va switcher. C'est facile, mais bon. Le jeu en défini, j'avoue, c'est facile, mais bon. Alors, Dynamo. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Va se passer, on est vraiment sur le bout du bout. En plus ça va le paralyser, donc comme ça il fera pas le malin. Voilà, et c'est l'attaque finale de ce versus, fort intéressant. Et voilà le travail, mon pote. Au revoir. Et c'est notre cinquième badge. Le badge âme, mon pote. Yeah. Grâce au badge âme, tu peux maintenant te faire obéir par des Pokémon échangés allant jusqu'au niveau 60. Attends, prends ceci également. Ah, toxique, c'est bien. Qualité de PV de plus en plus importante à chaque tour, de quoi terroriser ses ennemis. Yes, bon, et bah c'est super. Alors l'équipe est complètement sonnée, mais en tout cas oui, non, c'était cool comme combat, c'était cool, j'ai bien kiffé. On va se soigner parce que là ils se sont bien battus, ils sont bien fatigués les Pokémon. Tiens. Hop, 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 hop. Oui. Oui, 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 oui. Ok, ok. Pas le Pokémon, hein. Je dis ok, genre... bon, très bien. Voilà.
tout simplement. Eh bien, bien voilà. Alors, logiquement, alors le prochain épisode, on va aller du côté de l'est de Parmanie, parce que là, il y a beaucoup de dresseurs. Souvenez-vous de cette route très peuplée. Hein, elle est vraiment très 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 peuplée cette route. Mais bon, on va quand même tous se les faire histoire de level up tout ça, pour ensuite nous diriger vers Safrania. Voilà, ça va être un petit peu la prochaine partie, c'est Safrania. Donc écoutez les gens, merci d'avoir regardé cet épisode, on se dit à très vite, des bisous YouTube, et puis à très vite pour la suite du Let's Play de Let's Go Evoli. Tchou !